Le compte à rebours est lancé. Samedi 19 mai, le prince Harry épousera la comédienne Meghan Markle. Malheureusement, à moins d'une semaine de ce mariage qui est d'ores et déjà très attendu, Thomas Markle, le père de la jeune femme, est au cœur d'un scandale en Grande-Bretagne. Ce dernier a posé ses valises à Londres, afin d'assister à la cérémonie. En effet, celui-ci aura notamment la lourde tâche d'accompagner sa fille jusqu'à l'hôtel. Pas sûr en revanche que le père de la mariée reçoive un accueil chaleureux de la part des membres de la famille royale. Et pour cause, Thomas Markle a cru bon de faire le voyage jusqu'à Londres en compagnie d'un paparazzi. En effet, c'est le Daily Mail qui a dévoilé la supercherie, en publiant des clichés de Thomas Markle accompagné du photographe Geoffrey Ney. Les deux hommes ont ainsi organisé de fausses paparazzades afin de vendre les photos à la presse. Des photos qui leur auraient déjà rapporté la somme de 110 000 euros. Autant dire que la reine Elisabeth II a dû voir rouge. Quelques jours plus tôt, le palais de Kensington avait demandé aux médias de respecter la vie privée des proches de Meghan Markle, à commencer par son père que se sentait harcelé par les photographes. Désormais, on comprend mieux pourquoi celui-ci voulait à tout prix éloigner les paparazzi. À quelques jours de son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle se serait bien passée de ce scandale qui fait d'ores et déjà couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Il se murmure d'ailleurs que le père de la comédienne s'apprêterait à présenter des excuses.